Eh bien salut les amis, c'est Kabando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Hey Pikmin sur Nintendo 3DS et on part pour les Terres Embrasées, le secteur 6, zone A, Terres Embrasées. Donc il nous reste normalement deux mondes, mais vous m'avez dit qu'il y avait en fait deux mondes de plus, qu'il y avait un monde 8 où c'était que le boss, et il y avait un monde 9 qui était un monde secret. Alors je ne sais pas comment le débloquer, mais je me dis qu'à mon avis on doit le débloquer peut-être si on a 30 000 lumium ou quelque chose comme ça. Bref, on verra. Alors, s'il y a vraiment du feu... C'est-à-dire qu'il va y avoir les Pikmin rouges. Parce que normalement, les Pikmin rouges, ils peuvent marcher dans du feu. Hein. Ils résistent à du feu. Alors même si les boules de feu, normalement, ça les touche. Ben voilà. Voilà, ils survivent. Ah, mais ils peuvent même l'éteindre. Ah bah, ben, mais ils sont pas mal. Ils sont plus forts que je le pensais. Eh bien, venez à moi. Parce que si vous pouvez éteindre le feu, ça va être très utile. Les Pikmin rouges résistent au feu. Je sais, on va faire appel à vous. Ne vous en faites pas. Donc là, si je les jette là-dedans, ils l'éteignent. Bah oui, ils éteignent le feu. D'accord. Bah c'est cool ça. Ça va être pratique pour avancer. Parce que sinon je sais pas comment je vais faire, mais... Alors par contre, oui si c'est bon. Allez. Par contre ça va prendre un petit peu de temps parce que pour détruire tous les trucs, ça va pas être simple. Hein. Ok, très bien, il y a un passage là. Non, il y a rien. Bon, on a 8 Pikmin là. Ça commence déjà pas mal. Est-ce qu'on va réussir à finir un nouveau niveau avec tous nos Pikmin? C'est une bonne question. Alors, le pain de mie, il ne tombe pas dessus, hein, s'il te plaît. Hein. Alors, le pain de mie, je pense que je peux le tuer comme ça. Ah non? Si, c'est bon, je l'ai eu. Là, il y en a d'autres qui vont tomber. Mais attendez, ils tombent à l'infini ou quoi, ces trucs-là? Voilà, c'est bon. Mais à quoi ça sert de monter? Il n'y a rien en haut. Pourquoi j'essaierai de monter? J'ai pas compris. Je sais pas s'il y a un truc en haut ou pas, mais en tout cas, on dirait... Enfin, il y a des trucs qui ont tombé, donc je me demande si c'était pour rien ou pas. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va continuer le niveau, on verra bien si on a loupé un truc ou pas. Ah ouais, par contre, ouais, les boules de feu, ça nous tue. Hein. Ça tue les Pikmin. Les Pikmin rouges survivent aux flammes, mais alors ils survivent pas aux boules de feu. Ah si! Ah si, ils survivent, bah dans l'autre niveau, ils survivent pas. Ok, très bien. Donc, bah dans ce niveau, ils survivent aux boules de feu, mais dans l'autre, ils vont mourir. D'accord, très... Très étrange, hein, très étrange. Par contre, moi, je survivrai pas, hein, ça c'est certain. Ok. Venez à moi. Et là, est-ce qu'on rentre dans la porte? Parce qu'il y a moyen qu'il y ait un truc de l'autre côté, mais il faut d'abord tuer le petit oiseau, là. Il a l'air dangereux. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Les Pikmin, ils vont me retrouver ou pas? Je sais pas si les 8 vont me retrouver, si c'est bon. Ils m'ont retrouvé. Ah, y a forcément des trucs en haut. Ah, il y a un jouet en haut. Donc on va aller le chercher. C'est pour ça qu'en fait, il fallait éliminer tous les ennemis. Parce qu'après, il fallait pouvoir monter. C'était ça. Ah, là, il y en a un. C'est pas grave. J'ai un peu compris les mouvements qu'il fait, en fait. Il lâche des boules de feu quand il redescend, en fait, quand il chute. Donc, une poussette vide. Ouais, si tu veux. Une poussette vide, d'accord. Allez, venez là. Et on s'en va. Donc, on a déjà le premier jouet. C'est très bien. Enfin, le premier objet. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Ah, mais les Pikmin, ils peuvent pas suivre. Ah, bah si. Ils peuvent sauter. Et depuis quand, les Pikmin, ils arrivent à faire ce genre de saut tout seul? Non, mais c'est pas grave. Si jamais ils tombent, de toute façon, ils peuvent remonter. C'est pas grave. C'est pas très haut comme truc. Bon, il y a des cinématiques bizarres quand même dans le jeu. Allez, 4 Pikmin de plus. Yes. Allons voir par là-bas. Là, je suis sûr qu'il y a un truc. Ouais, il peut y aller. C'est très bien. Il y a du lumium. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Il aurait pu ne rien avoir du tout. Allez, continuons. Oula, qu'est-ce que... Ouais, bon, ça fait pas mal en fait. C'est censé faire mal, mais ça me fait pas si mal que ça finalement, parce que ça ne tue pas mes Pikmin. Ce qui va être plus difficile, c'est dans les niveaux suivants, parce que je m'attends à ce qu'ils me donnent... des Pikmin d'autres couleurs que de Pikmin rouge. Et donc là, ça va être difficile d'éviter les attaques des ennemis et tout ça. Alors, on a un mini gros porteur. C'est quoi un mini gros porteur? Il est gros ou il est mini? Faut savoir. Violima... C'est bon, on a récupéré le Pikmin, on peut monter. Mais j'ai pas vraiment peur pour mes vies, en fait. Mes vies, ça me fait pas trop peur, finalement.
Allez, il est mort. C'est bon, il est mort. Récupérer de l'humium. Voilà, alors là, un. On a récupéré un truc de l'humium. Mais bon, enfin, c'est mieux que rien. Il y a un passage. Non, pas du tout. Et là, on n'a pas besoin d'aller le voir. De toute façon, il tire et on monte, c'est ça. Bon, on fait ça. On n'a pas besoin de s'arrêter à lui. Ok, très bien. Il servait juste... Parce qu'il y avait une petite plateforme pour s'arrêter, mais en fait, on n'était pas obligé du tout. Non. Ok. Ouais, là, pareil, on n'est pas obligé, il suffit de monter. Ouais, il fait ça. Ah, j'aurais dû aller un petit peu. Ok, très bien. C'est bon. Ouf, j'ai cru perdre des Pikmin, mais non. Et là, il y a une porte. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il y a peut-être un trésor dans le coin. Déjà, il y a ça, il y a du lumium. Bah, il n'y a rien du tout. Mais il y a du lumium. C'est déjà bien. Ok. 63 lumium. Mais j'ai l'impression que dans ce niveau, on récupère pas beaucoup de lumium par rapport à d'habitude. Surtout que les petits objets qu'on a eu là, je suis pas sûr qu'ils donnent beaucoup de lumium. Je crois que c'était 100 et 200, non? Oh! Et il va encore leur arriver une pétarade dans ce truc-là. Ah bah non! Il y a du lumium. Ah, c'est cool, ça, vas-y. Il y en a d'autres? Non, il va y avoir des méchants. Hein. Ah, si. Mais écoutez, ramenez-moi 4 lumium, c'est bien. Ah, bah, c'est gentil. Ça leur arrive pas souvent comme ça de ramener du lumium, donc c'est très gentil. Ok. 16 Pikmin, pour l'instant, j'en ai perdu aucun. Oulalalalala. Remontez. Toi, tu vas faire demi-tour. Et quand on aura fait demi-tour, on pourra t'attaquer. Voilà. Voilà, c'était sûr que ça marchait comme ça. Super! Là, il y a du feu. Éteignez-le. Cet ennemi, il faisait peur au début, mais finalement, non. Ça allait. Venez tous ici. Là, il y a un objet. Mais alors, on peut pas l'avoir en passant comme ça. Faudra faire le tour d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, c'est une coupe. Donc, une coupe, ça doit pas être facile à avoir, je pense, hein. Faut le laisser mettre le feu à tout ça. Ok, faut le laisser mettre le feu. Vas-y, viens mettre le feu, toi. Ouais. C'est bon, il a mis le feu. Donc maintenant qu'il a mis le feu, on va pouvoir aller le tuer. Parce qu'on pourra descendre. Mais alors faire attention. Ah, il peut pas mettre le feu aux branches. D'accord, c'est très bien. Mais je ne suis plus là, hein. Super, le feu s'éteint, je vais quand même vérifier que... Non, je vais pas vérifier qu'il a bien mis le feu, parce que le feu, ça allait prendre une éternité. J'ai cru que j'avais un Pikmin qui était mort. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi j'ai rien fait? Non, j'ai aucun Pikmin qui est mort. Donc ouais, en fait, le piège, c'est de se précipiter à tuer l'ennemi, alors qu'en fait, faut pas se précipiter, parce qu'il faut bien faire brûler le sol. Et là, ça donne 500, non, 400 trucs bidules somptueux. Bon, 400, c'est quand même pas mal. On aura gagné presque 1000 encore sur le niveau, donc c'est pas mal. Allez, continuons notre route. C'est marrant. Enfin, dans chaque nouveau monde, on découvre de nouvelles mécaniques avec les Pikmin. C'est super, ça. Ils auraient pu se reposer un peu sur ce qu'on avait déjà et réutiliser les mêmes trucs. Mais chaque niveau a ses idées propres. Et bah, c'est... De toute façon, c'est... le fait que chaque niveau ait ses idées propres, c'est la preuve d'un jeu de plateforme réussi. Hein. Il n'y a pas 3000 trucs, c'est la preuve que quand un jeu de plateforme est réussi ou pas. Ok, là. Allez, meurs. Il arrive à me... Quoi? Non, il m'a mangé des Pikmin. Je savais pas qu'il pouvait me suivre, je croyais que les trucs, c'était des trucs qui s'écroulaient. Mince. Oh là là, je croyais que il pouvait cramer les trucs qui étaient là-bas. Mais non. Allez. C'est bon, il est mort. Quand j'ai vu ces trucs-là, là, qu'il y a sous mes pieds, j'ai cru qu'il allait les cramer, qu'il allait tomber, mais non. Attendez, il a mangé personne, peut-être, si? Si, mais sauf qu'il y en a que j'ai perdu. Il y a des Pikmin que j'ai perdu, encore une fois. Où est-ce qu'ils sont? Bon, il y a un Pikmin que j'avais perdu, je sais pas où il était. J'ai fait le tour du truc et je l'ai pas vu. Bah, c'est dommage, quand même, d'avoir perdu comme ça des Pikmin à la fin. Mais bon, ça arrive. Et lui, j'arrivais pas à le tuer, j'ai essayé plein de fois, j'ai pas réussi, c'est bon. Vengeance. Et tout le monde revient, là? Ok, j'ai mes 18 Pikmin, parce que là, il y a un autre chemin. Alors, comment faire pour y aller? Allez.
Mais essayez d'aller sur son dos. C'est sur son dos qu'il faut aller. Bon, essayez de le tuer quand même, vas-y. Parce qu'il y a un autre chemin de l'autre côté, j'en suis certain. Ça se voit. Voilà, ça se voit. Et bah c'est une sortie secrète. D'accord. Bon bah j'aurais perdu des Pikmin pour aller dans une sortie secrète, mais c'est pas grave parce que de toute façon quand je vais revenir dans ce niveau pour essayer de le finir à 100%, bah j'aurais pas besoin d'essayer d'aller à gauche. Donc je vais pas perdre mes Pikmin. Donc normalement ça devrait se passer bien mieux. Donc là on va ajouter des Pikmin rouges au parc. Le parc, je sais pas trop où ça en est non plus, mais bon, il reste plus que deux zones, donc ça devrait plus tarder à tout débloquer. J'espère quand même que le niveau secret va nous faire continuer la route. Rapport. 200, 300, 700, 783. Ouais, 25 000, c'est énorme. Et à 26 000, on débloque un nouveau truc, enfin, on va gagner une vie de plus. Hein. À mon avis, ça va être rien de plus transcendant que ça, mais on va gagner une vie de plus pour Olimar, c'est déjà pas mal. Alors... Donc les Pikmin Rock ont trouvé un truc. On va aller s'occuper de ça après. Allez, ils ont trouvé un truc. C'est parti. Oh, Dilumium. Waouh. Incroyable. Dilumium. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup que pour le moment... J'envoie tous les Pikmin ici. Non, je vais continuer par là. Ok. Cette zone est bientôt finie. Et il reste plus que la zone de... De glace, en fait, enfin de verre. Le reste, tout a été exploré. Et donc là-bas, maintenant, bah là, par contre, il reste beaucoup de trucs. Hein. Il reste les Pikmin volants, les Pikmin bleus, les Pikmin jaunes, les Pikmin rouges. Puis il reste un peu de Pikmin de pierre, mais on verra ça plus tard. De Pikmin rock. Allez, au moins, on a tous les trésors. Ça, c'est cool. Donc, le niveau suivant, 6X. Et on a débloqué aussi, c'est une zone secrète. Je croyais que ça allait être la fontaine scintillante, mais non, c'est une zone secrète. C'est pas mal aussi. J'espère que je vais récupérer des rocs. S'il vous plaît. Des Pikmin rocs. Ah, des Pikmin rouges. Bon. Pourquoi pas. Comment on va faire pour les... Ouais, et... Bah, comment j'ai fait. Comment j'ai fait. Faudra m'expliquer comment j'ai fait pour détruire le truc, mais... Olimar, il peut donner des coups par lui-même? Peut-être. Je sais pas trop comment, mais peut-être que oui. Alors, je sais pas du tout à quoi cet ennemi servait. Il servait absolument à rien. Vu qu'il ne mangeait pas mes Pikmin, et vu qu'il n'arrivait pas à me toucher, parce que... Il envoyait pas de feu assez loin. J'ai pas compris, hein. J'ai pas du tout compris quelle était son utilité, mais bon. Il était là. Il était là, voilà. Tant mieux pour lui. Allez, c'est parti pour le niveau 6X, bois calciné. Il va encore y avoir des délires avec les Pikmin rouges. Ou sinon, les Pikmin rock, c'est pas mal aussi, parce que les Pikmin rock, il me semble qu'ils survivent au feu. Je crois, hein. Il me semble qu'ils survivent au feu. Bah, ils peuvent pas éteindre le feu, mais ils sont un peu résistants, parce qu'ils sont des rochers. Normalement, les rochers, ça brûle pas. Hein. Enfin, ça brûle à des températures qui sont quand même très, 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 très hautes. Alors, c'est vrai qu'on a pas de Pikmin au début. J'ai oublié... Ah! On a des Pikmin volants. J'adore ça. Ça, c'est génial. Alors là, il n'y a rien, là-haut. Je ne sais pas. Après, on est reparti pour un niveau où on descend comme ça. Ah, attendez. Oula. Et mince. Je peux le sauver ou pas? Je l'ai sauvé, je crois. Eh ben non. Bon, on va recommencer le niveau parce que j'avais pas du tout compris si ces Pikmin-là, s'il avait brûlé ou quoi. J'ai pas du tout compris. Donc, on va recommencer. Juste une fois. C'est pas... On était juste au début, donc c'est pas si grave. Par contre, ça met du temps à recharger. C'est le même niveau, hein. Oh, mais les décors, à chaque fois, ils me paraissent tellement magnifiques. Quand tu vois les branches et tout derrière, c'est magnifique. Là, il y a un truc. Non, rien du tout. Ok. Je peux peut-être la voir quand il n'est pas encore rouge. Mais bon, je vais pas essayer de faire des folies. Je vais y aller normalement. Ok, un petit peu de lumium. Pourquoi ils n'ont pas récupéré le lumium? Ok. On descend plus vite. Là, il va y avoir un truc. Ouh! Mais je voyais rien. Et je vois toujours rien. Oui. Allez, ça va pas être bien difficile de le tuer. On peut avoir le... Ouais, ok, la vie.
Là, je dois y aller comme ça, tranquillement, en volant. Et donc, on a quoi? Une enclume? C'est quoi ce truc? C'est une enclume avec une cible. Enclume à fléchette. On dirait une enclume et on dirait une cible de fléchette. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est que ce truc. Si vous en avez une, dites-le dans les commentaires, mais c'est très bizarre. En tout cas, j'ai déjà eu le premier trésor, donc pour ça, je suis content. Ok, allons-y. J'ai cru que j'allais être obligé de toucher le feu. Allez, allez. Je veux pas tomber dans le feu avec... Enfin, je veux pas que des Pikmin à moi touchent le feu. Oh non, des rouges! Ah oui, bah c'est pas si mal, en fait. Parce qu'avec les rouges, on peut éteindre tout ça. Faut juste faire attention de pas aller trop vite et que... Ok. Et que ce soit toujours des rouges qu'on jette et pas des volants. Et quand on tombe, il faut faire attention que là, ce soit bien des volants qu'on jette et pas des rouges. Ah, mais là, on va plus tomber, de toute façon, vu qu'on a des rouges. Sinon, les rouges, ils vont toujours tomber plus vite. Donc non, je pense plus qu'on va tomber. Ok. Allez. Et ça, on peut les tuer tranquillement, y a pas de problème. Pendant que les rouges s'occupaient du feu. Mais on va pas perdre de temps ici, parce que ça me fait quand même très peur, cet endroit. Comment on fait pour monter, là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah oui, c'est vrai que c'est les Pikmin qui peuvent soulever les trucs. Ok. 4 Pikmin volants. Là, ensuite, on va pouvoir s'occuper de ce truc-là. Très bien, allez, allez. Super! Et ça, ça donne plein de lumium. C'est génial. Bon, là, normalement, il va falloir soulever le truc quand on est ici. Non, 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 c'est pas eux qu'il faut. Voilà, c'est ce que je pensais qu'il allait arriver. Me tromper de Pikmin, ça risquait d'arriver un peu trop souvent, malheureusement. Ok, c'est parti. Tous mes Pikmin sont là, on dirait bien. Allez! Voilà, alors là, je fais vraiment super attention. Je veux pas perdre bêtement des Pikmin. Donc je fais vraiment super attention de pas jeter les mauvais Pikmin. Est-ce que je vous avais dit que ça finirait par être compliqué, hein. Parce qu'on allait se retrouver avec plusieurs genres de Pikmin et alterner le tout et jouer les bons Pikmin au bon moment, c'est pas une mince affaire, hein. Là, faut que j'entre dans l'une de ces portes. Comment on va faire? Je ne sais pas bien. Là, je peux monter, mais alors... Ça fait quoi de monter? Là, ça sert à quoi? Si j'active ça, ça fait quoi? Allez-y, récupérer ça. Ah bah, ça donne du lumium, donc c'est très bien. Non, moi, à mon avis, il faut que je continue par en bas. Je pense que si je prends cette porte, j'arrive directement à la suite. C'est pas ce que je veux. Ah mince! Ah oui, si. Okay, les rouges qui étaient bloqués là-haut. C'est bon? Tout le monde m'a rejoint? Ok. Là, il y a un passage. J'ai vu. Avec un petit truc à creuser. Allez-y, allez-y, allez-y. Pourquoi ils ont trop de mal à creuser? Je sais pas pourquoi, parce que je les ai jetés à côté. Non mais attendez, mais c'est quoi tous ces lumium? Enfin, c'est cool, hein. Récupérer autant de lumium, c'est sympa. Mais je sais pas pourquoi d'un coup, j'en récupère autant que ça. Venez ici, les rouges, hein, parce que là, voilà. On part pour un super truc de plateforme. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir récupérer un trésor. Donc j'ai bien fait de pas continuer avec la porte. C'est un yo-yo, on dirait. Un clic-ti-clac. C'est pas un yo-yo. C'est des claquettes. C'est très bizarre. On récupère plein d'objets que je ne connais pas. En même temps aussi, il peut parfois y avoir des objets que je ne reconnais pas parce que c'est des objets qu'on trouve qu'au Japon. Hein. Ça peut arriver, ça aussi. Ok, 16. 16 Pikmin, quasiment tous les trésors. Et pour l'instant, j'ai perdu personne. Faut retenir, ça n'arrive pas souvent que je perde personne. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Un boss, là? Oui, faites attention, hein. Récupérez le lumium, mais faites très attention, hein. Oh, mais vous disputez pas, les petits. Il porte le Pikmin qui porte le lumium, parce qu'il était jaloux. C'est mignon. Alors... Ok, allez-y. Je vais bien finir par le tuer à la fin, non? Allez. Voilà, parce qu'en fait, il met du feu à l'infini, donc il fallait le tuer avant de pouvoir en faire plus. C'est bon? Parfait, on peut monter et on va sauver les 4 derniers Pikmin. C'est parfait. Et on récupère en même temps un peu
Ah, je me disais pourquoi ça reste à 18? Mais non, c'est juste parce que les derniers ils m'avaient pas encore rejoint. Ah, y a un truc? Non, y a rien du tout. Oula. Bah là, les Pikmin rouges ils survivent. Hein. Les Pikmin rouges ils survivent bien à ça. Donc là, ils peuvent tomber les Pikmin rouges. C'est pas ça le problème. Le problème, ça va être de survivre à tous ces trucs-là. Ah, non, mais les Pikmin rouges, je passais pas trop de temps non plus dans les flammes à faire ça. Allez, on descend plus vite. Ça sert à rien d'éteindre les flammes, les Pikmin rouges. Juste suivez-moi. Voilà, allez, allez, allez. C'est bon. Tout le monde est là. Rejoignez-moi. Et c'est bon, on a 20 Pikmin. Mais attendez, mais comment c'est possible d'avoir gardé tous nos Pikmin? Ça paraît tellement improbable. Dans un niveau pareil, réussir à le terminer avec tous les Pikmin, ça me paraît tellement une improbabilité que je suis quand même super content. Hein. Oh, plein de lumium, encore une fois, on aura plus de 100. Hein. Et oui, on a récupéré plus de 100 lumium sur ce niveau. Il reste plus que le dernier trésor. L'a-t-on loupé? Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc qui le déterre. Je vais le faire qu'il soit aidé parce qu'il ne peut pas le déterrer tout seul. Là, il n'y a rien du tout. C'est bon? Et vous pouvez pas faire plus? Je sais pas, je me disais, il y a peut-être un truc dans le sol, non? Il n'y a rien du tout. Bon, bah alors on monte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une paille? On s'accroche à une paille, j'ai l'impression. Oh! Qu'est-ce que vous trouvez dans le sol? Oh! Encore un masque! Non! Ça fait peur au monstre! Ça fait peur au monstre! Ah oui, mais ça lui a fait tellement peur qu'il est vraiment parti, hein. Ah, il est là-bas. D'accord, on va la récupérer, vous en faites pas. Alors là, ce que je me dis, c'est où? Ah, ça, je sais comment les avoir, c'est pas un problème. Par contre, faut faire attention que mes pipines ne soient pas trop laissées tout seules. C'est bon, je peux y aller. Ah, mais non, les Pikmin rouges, je vais rester là. Tranquille, pas de problème. Là, bah, il doit y avoir des Pikmin en plus, mais ça m'est égal. Attendez, non, je peux pas y aller là. C'est trop loin. Là, je peux y aller. Très bien, là, je peux y aller. Et ensuite. Parce que là, je peux pas aller plus haut. Hein. Ah, les Pikmin volants vont peut-être m'aider. Si je commence à tomber, les Pikmin volants, ils vont m'aider. Ah oui. Enfin, puis en plus, j'ai même pas besoin des Pikmin volants parce que j'arrive à faire toute la traversée quand même. Bon, c'est très bien d'avoir plus de lumium. Mais c'est pas tout. Nous, il nous faut aussi le dernier trésor. Qui doit traîner dans le coin. Et je veux déjà aller de l'autre côté. Ah, non, c'est une zone d'aluminium, d'accord. Là, c'est la sortie. Très bien. On va d'abord récupérer les Pikmin rouges. Parce que si je les laisse en haut, après, ils pourront plus jamais me rejoindre. Et on peut tomber. Ok, le trésor est par là. Pikmin rouge. C'est bon. Bah écoutez, on va commencer par détruire tout ça. Détruire tout le feu. Vous pouvez détruire de l'autre côté. Mais ils sont trop mignons, la façon dont ils détruisent le feu, c'est trop bizarre. Ils sautent sur place. Mais c'est trop mignon. Sont les Pikmin de tout le jeu sont super mignons. Donc là, le trésor est là. Mais attendez, de quel côté faut aller? Là, c'est la fin. Donc non, on va pas par là. On va pas par là. Pas maintenant. Ok, c'est parti. Et tous les Pikmin rouges ont récupéré. Mais attendez, j'ai 200 lumium, c'est énorme. Et bien voilà, on a récupéré le dernier trésor. C'est quoi encore? Une tête stoïque? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une tête de figurine de robot? J'en sais rien. Et là, on a nos 20 Pikmin, on a nos 3 trésors, on a 200 lumium. Moi, je dois le dire, les amis, et je pense que vous serez d'accord, ce niveau a été une franche réussite. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas réussi comme ça à tout avoir sur un niveau? Je ne sais pas, mais ça arrive, mais généralement ça arrive sur un niveau par monde. Voilà. Bah là, c'est le premier niveau du monde où j'arrive à voir tout, hein, donc ça veut peut-être pas dire que les prochaines fois ça va être pareil, mais espérons quand même, hein. Espérons-le. Donc tout ça va être ajouté au parc, en plus de Pikmin volants, plus de Pikmin rouges, et puis je dépasse les 26 000. Donc je débloque la dernière amélioration du vaisseau. Enfin, comme je vous ai dit, c'est certainement une amélioration qui va me redonner plus de vie, hein. Ok, 500. Ah bah non! Ah si, j'ai assez. Si, j'ai assez. 26 000, très bien. Ok. Ah, capitaine, je voulais juste vous informer qu'il y a du nouveau dans le parc. Et oui, je m'en doutais. Je m'en doutais. Donc allons y jeter un œil.
Ça doit être, c'est soit les volants, soit les rouges qu'on trouvait un truc. C'est peut-être les rouges vu que j'en ai rajouté depuis la dernière fois. Mais les Pikmin jaunes, j'en ai pas beaucoup, j'en ai moins de 100. Ah bah les rocks, j'en ai encore moins. Les rocks, j'en ai que 72. C'est pas beaucoup, hein. Ah bah c'est les volants. Et ils ont trouvé 50 lumium. Waouh. Incroyablement incroyable. Et il y a autre chose. Ah les rouges, ils ont trouvé 10. Très bien. Allez, on renvoie les rouges, on renvoie les volants. Et là, bah, tout le monde est au travail. Attendez, là, ils en sont où? Oui, là, ils sont toujours en train de détruire les petits trucs là. Il y a encore du travail, hein. Le parc, il est pas prêt d'être vidé, hein. Il y a encore pas mal de travail. Capitaine, nous avons atteint 26 000 lumium. Nous sommes si près du but, je le sens. Ceci m'a permis de passer votre jauge d'énergie à 6 barres. Pratique, n'est-ce pas? Par contre, ne jouez pas au casse-cou. Juste parce que vous avez une super combinaison. Les 30 000 lumium et l'allée simple pour Okotat sont si proches. Plus que 4 000 lumium à récupérer. Et je vous l'avais dit, les amis, ça allait me redonner une barre de vie. Hein. Ça pouvait pas me faire gagner un pouvoir magique ou j'en sais rien, là. C'était sûr. Et donc, je débloque le niveau suivant ou pas? Oui, quand même. Bon, et eh bien écoutez les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Hey Pikmin sur Nintendo 3DS. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc ici, la portée ou bien. Et à la prochaine les amis. Salut! Notre petite étoile.